Bonjour tout le monde, ici John Cutter pour l'épisode 2 du Let's Play sur I Am Alive. Je suis bien devant mon micro et du coup ça devrait aller. J'ai changé un tout petit peu le son du jeu parce que je trouvais qu'il était un peu faible. Donc ça va être un tout petit peu plus fort et si ça l'est pas plus, et ben on verra bien. Je le tourne juste après le premier finalement. Et on se lance dans la suite. Mami! Mais qui est cet enfant qui crie et qui cherche sa mère? Là-bas on voit une petite ombre. On va donc l'attraper. Mary, qui croit que c'est sa fille. Il a dû perdre un peu de mémoire, ou alors ça fait vraiment long. Ça fait plus d'un an qu'il l'a pas vu. À cet âge-là, ça change vite. Mary. Et bien sûr, elle fuit. Ce qui voudrait dire que ce n'est peut-être pas sa fille, mais bon. Donc là, on fait le Spider-Man du pauvre. Hein. On y va tout doucement. En essayant de suivre la gamine qui est passée par là. On va contourner, ça j'ai déjà vu encore, donc la route m'est pas inconnue. Hein. Hop, de toute façon c'est assez linéaire au final, regardez, on la voit là. Attrape-la, plongeons. Bon, on l'avait rattrapé, mais le jeu ne veut pas qu'on la rattrape à ce moment-là. Oula, c'était un peu court, hein, mais bon, ça reste tolérable. On va... Je regarde juste l'heure, parce que j'étais pas sûr de quand je dois finir l'épisode. Et voilà, ici on a des méchants qui ont repéré le gamin. C'est triste, parce que je vais devoir me battre et que j'ai pas de balles. Voilà, ça me fout la mort, et c'est les passages qui me font... Ouais, je suis pas en confiance, du fait de mon nombre de vies limité, mais... J'avais trouvé une solution. Face à plusieurs ennemis, ne pas dégainer, laisser approcher, attaquer par surprise avec eux. Donc, le même que tout à l'heure, sauf que le mec qui vient nous voir a pas de flingue. Voilà, lui il a un flingue. Du coup ça peut valoir le coup de se débarrasser de lui pour récupérer la première balle. Comme ça on se débarrasse de ce monsieur. Et le dernier, oh regardez, j'ai déjà plus de vie. Et on spam, voilà, j'ai cramé toute ma vie sur ce combat. Je suis... I'm happy, comme dirait Dopey. Donc ça vous inquiétez pas, j'avais déjà vu. Je vous laisse l'histoire, en espérant que vous entendez mieux. What's your name, sweetie? I'm May. I have a daughter almost the same age as you. Here, you can take it. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà, on retourne là-dessus. Here, take a look at this. It's okay. Take it. You see that? That's me. What did you do to them? Them? I made sure they wouldn't bother you. Linda? Linda, you there? Elle a jeté la caméra par terre, tout va bien. Henry? Mary, thank God. Where's your mother? Mommy never came back. Where are you? Are you all right? Yeah, I'm okay. I'm with the nice man. Man? What man? Let me talk to him, sweetie. Je suis le gentil monsieur qui a tué trois bonhommes. Bon. Hello. What do you want? Ça me va. Elle a Clint. Ah, sure, man. I got it. Listen, the little girl doesn't look so good, and I think we're about to have a storm. So we need to get off the street. Where are you? Close to State Street, near the Arboretum. Then get to the mall. It's probably the safest place for the time being. Donc on a notre objectif. On va au centre commercial, qui me paraît pas être l'endroit le plus sûr. Bon, pour que l'écran arrête de clignoter, on va consommer un truc. Inventaire. Santé plus, mais capacité endurance. On va vraiment utiliser les trucs spécifiques tant qu'on peut, qui ramènent que de la santé, donc les antalgiques. Et on va prendre ben, les deux directs. Hein. C'est surtout pour que l'écran soit moins dégueu en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais plus. Ah, ici.
information, be safe there. At least for a short while. Donc là on a bien dépassé la version démo, si un jour vous voulez essayer au moins la démo pour voir si le gameplay vous plaît. Il s'arrête à peu près à quand le héros arrive dans sa maison je crois. Donc là on va fouiller les poubelles. Mais je sais pas si je crois pas qu'il y ait grand chose à trouver par ici. Mais j'aimerais bien trouver quelque chose. Cet objet de soin. Quelqu'un qui aurait mis des antalgiques à la poubelle. On a un gosse qui tousse. Mais bon, elle a pas l'air trop encombrante. D'ailleurs, il l'a attachée avec une corde, ce que je trouve assez marrant. Ça, elle fatigue pas. Et on va repartir en arrière par ici. Donc il y avait rien à trouver, manifestement. Je vais quand même explorer le plus possible parce que cette histoire de compteur de vie dans un jeu d'aventure, ça m'inquiète. Moi j'aime bien mourir 10 fois dans le même trou, j'aime bien faire le fichou et là ça va pas être possible. Ça contribue beaucoup plus au côté survie au final, hein, ça c'est intéressant. C'est très bien pensé. Bon, on a une tempête, ce qui fait qu'on doit se dépêcher. On est revenu à côté du parc là, donc à côté de la maison. On va commencer, bon on va courir un peu, sprinter, pour que vous découvriez la musique de sprint, celle qui fait peur. Là j'arrête parce que fatigue. Et on se dirige vers le côté que je vous avais dit qui était pas trop utile pour l'instant. Ce qui sert maintenant en fait. Voilà. 5 tentatives, ce qui est pour l'instant plutôt bien, on n'a rien perdu. Voir que j'avais réussi à perdre des tentatives dans le tutoriel. Hein. Je regrette pas d'avoir fait mes essais sonores avant. Et là on arrive dans donc le centre commercial. Donc le type à la radio nous a dit que c'était un endroit particulièrement safe. Food égale j'arrive pas à lire. We don't share get out, ça n'a rien de rassurant pour ceux qui parlent pas anglais, on ne partage pas, cassez-vous. Et donc la petite fille nous dit qu'il faut aller en haut. Donc voilà. Et ouais, moi je trouvais qu'aller dans un centre commercial c'est rarement un endroit sûr parce que c'est là où il y a toutes les provisions. Donc c'est quand même particulièrement risqué vu que ça doit être un endroit où les gens se foutent sur la gueule pour trouver à manger. Mais bon, apparemment c'est un endroit sûr. Alors, need water, pas de problème. Donc là vous voyez un petit mur d'escalade. Kayak, c'est bien pensé, même dans l'insertion de cette phase d'escalade quoi. Voilà, on nous apprend qu'on peut poser, on peut claquer un piton. Par contre, je sais pas où est mon nombre de pitons. Donc un piton, ça sert en escalade à se poser. Hein. On va le poser juste à la suivante parce qu'on sera déjà dans la merde. Appuyez sur E. Si tu peux planter un piton. Et hop, on a tout regagné, donc on va essayer de finir sans en replanter. J'espère que ça va le faire. Comment ça, tu te fatigues déjà? Je t'interdis. Et dépêche-toi. Voilà, c'est bon, on s'en tire pas mal, la jauge d'endurance a pas trop baissé. Mais j'ai aucune idée, attendez, on va regarder l'inventaire, est-ce qu'on voit le compteur de Python quelque part? Bah non, là, on pourrait avoir un arc apparemment. Jamais eu plus que ce que j'ai là, hein. Le flingue et la machette, je me suis arrêté dans très peu de temps dans le jeu en fait. On a grimpé un étage encore. Là on peut grimper mais on peut explorer par ici. Food égale home, d'accord. C'est pas par ici, il faut monter. Ok, on a compris, fais ta voix de petite fille malade là. T'as du bol que je sois un bon samaritain dans cette saison là. Dans cette saison. Dans ce let's play là. Et je marche en saison, je suis à la série John Cutter. C'est peut-être par ici qu'on va devoir grimper probablement. Need water. C'est même sûr que c'est là-bas qu'on va devoir grimper. Allez, recharge-nous tout ça. Petite caméra encore une fois. Je vous le laisse. On voit que le niveau de la batterie a baissé d'ailleurs. C'est un détail, mais bon,
Pour l'instant, je sais pas si c'est important. Hey, what's going on? It's May, she's coughing. Probably from the dust. She doesn't look... Oh wait, she's got a fever. She's burning up. Shit. Okay, you need to find one of those crates the military dropped right after the event. It'll have medicine. Where's the best place to find a crate that hasn't already been scavenged? Search for places that are hard to reach. Like high rooftops, high buildings. Maybe you'll find one someone else missed. Okay. Donc voilà, notre nouvel objectif, c'est monter assez haut ici. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit objet dans cette base? On a laissé la fille là. Ça me va. Ouais, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'objets pour beaucoup d'endroits à explorer. Bon, après... Je vais quand même en regarder un peu, mais... Par ici, que dalle. Et par là... Attendez. S'il y a quelque chose. Un soda. Ça fait quoi un soda? J'ai vu que j'en avais déjà un. Ça augmente pas la vie, mais ça remonte l'endurance. Ça voudrait dire que pendant que je grimpe, je pourrais gagner de l'endurance. Si je grimpe, tac, je tape un Coca-Cola. Et... Je suis embêté quand même. On essaiera de l'utiliser pendant la grimpe, quitte à crever, quoi. On verra bien. Je connais, si vous voulez tout savoir, on entend un mec tousser, d'ailleurs on sait pas trop où il est. Si vous voulez tout savoir, je suis mort pendant cette ascension, et après j'ai arrêté, j'ai lancé le let's play. Donc bon. Il y a des jours où faut savoir pousser mémé dans l'escalier, comme on dit dans... Ah, dans quel jeu c'était ça? Day of the Tentacle, non? Je crois. Faut savoir pousser mémé dans l'escalier, ouais, ça doit être ça. Je sais pas si on a des... Ah non, regardez, je vois le compteur de Python maintenant, 0. Ça marche. Donc on va probablement devoir utiliser des ressources pendant l'escalade. Faire un effort extrême ou planter un Python avec eux. Mais pour ça, je suppose qu'il faut un Python. Hop. Effort extrême. Attendez, on va essayer d'utiliser quelque chose. Si je bois ça... Non, ça peut marcher. On va commencer par boire ça plutôt que les autres trucs. Donc oui, le mec peut se boire une canette en étant suspendu. Ben, y a pas de problème, moi je tolère tant que ça m'aide. On va y aller en effort extrême là. On n'a pas l'air d'être loin. Allez, grimpe! Gros sac. Bon, ça va. Ah ok, on se retrouve ici. On voit personne, par contre il y a un objet. Python, d'accord, bah voilà, j'étais mort dans cette ascension, donc à partir de maintenant, je ne connais rien. Je vois même pas d'ailleurs où je dois aller. Je veux pas monter là-dessus. On est arrivé là. On nous a dit d'aller jusqu'au belvédère. Là, on peut sauter là-dessus, je crois. Là-bas, regardez, il y a un mec là-bas, on dirait. Une ombre, en plein milieu, j'allais dire, sur mon pointeur, il n'y a pas de pointeur. Allez. Non, tu veux pas le faire... Non, remonte, tout doux. On va planifier ton trajet d'abord. Si, d'accord, je vois. Tu vas pas te fatiguer là-dessus, quand même. Ah, ça, c'est pas fatigant. Ok. Ah non, c'est un mec, d'accord, qui s'est probablement coûté. Là-bas. Ouais, j'ai pas de pointeur, mais... La visée est plus ou moins automatique quand on braque les gens. C'est vrai que je voulais pas expliquer, mais... Il n'y a pas besoin de savoir viser. J'y vais doucement. C'est pas vraiment RP. C'est juste que ça me laisse le temps de regarder partout. Hein. Pour l'instant, bon, notre endurance est pas au top. Mais si on doit grimper un truc qui a l'air impressionnant, je prendrai un petit objet. Mais je croyais qu'il y avait un mec ici. C'était Nalu? Ah non, c'était cette valise bleue qui m'a fait croire que c'était un... Bon, pas grave. Alors le but, ça va être de réussir à trouver un objet. Il y a des squelettes, c'est tout à fait rassurant. Je vois personne, en tout cas. J'aimerais bien trouver au moins un objet. Là-bas, je vois un truc lumineux, non? J'en sais rien. Ouais, il y a un truc assez lumineux. C'est peut-être notre objectif, tout simplement. Ah, voilà. Antalgique ramassée. On va s'en servir tout de suite, ok, on a une mauvaise rencontre. Voilà.
Ici, il y a quelque chose aussi. C'est quoi? Jerrycan ramassé. Jerrycan de quoi? Là, j'ai un piton. Jerrycan qui ne fait rien. Je suppose que c'est pour charger ça. Non. Bon, on va voir. On continue tranquillement. On explore. C'est quand même le but de ce jeu, ça. Ah, c'est ça que je dois regarder. D'accord. J'explore d'abord. Ok, il y a un événement scripté qui me surprendra après. Moi, je suis comme ça. Je suis un radin et je veux des produits de soins. C'est la survie qui veut ça. Même si dans la vraie vie, les événements scriptés, normalement, n'existent pas. On appelle ça des guet-apens, sinon. D'accord, là, il y a un objet pour toi, mais tu peux pas le prendre. Et comment... Tu saurais pas t'abaisser, ou... Ah, si, il y a une touche pour s'abaisser. Contrôle, comme dans tous les jeux. Une boîte de conserve. Bon, déjà, j'aurais appris un truc. Bon, une boîte de conserve, c'est pas si mal, hein. Ah, regardez, là-bas, en bas. Peut-être qu'on doit y aller après, aussi. Si je descends pour devoir remonter juste après, ça m'intéresse pas trop. On va regarder dans le... Vous appelez ça comment, le belvédère? Ou dans la longue vue, quoi. On a une belle tour, et là, je vois une grosse caisse. C'est peut-être la caisse de ravitaillement qu'on cherche. On va voir. Oh là là, ça a l'air loin. Ah, putain. Bon, c'est pas rassurant, ça. Activer la nacelle de lavage des vitres. Parce que je vais chercher l'objet qui a l'air d'être en bas. Il doit y avoir un moyen de remonter, hein. Non, c'est peut-être con, mais il l'aurait pas mis comme ça visible. Du coup, j'ai aucune pitié, j'y vais. Et si je dois me retaper tout le chemin comme un con... Quoi que c'est peut-être... Oh non, ça c'est pas une grosse gamelle quand même. Non, c'est pas une grosse gamelle. Il y a trouvé un moyen de remonter. Voilà, un soda. Alors, comment on remonte? Ça nous ramène ici, j'avais pas dû explorer du tout. Je sais pas trop. Est-ce que je suis passé par là? Je reconnais rien. Ah, un autre soda. Un inhalateur. Pourquoi pas. C'est con, c'est que tout ça c'est pour redescendre. Ah, ici on peut... D'accord. Attendez, c'est ici que j'ai laissé la gamine? Non, c'est une autre escalade. Autant tout fouiller avant de devoir escalader. Ah, c'est moche. Mais... On repart pour une session d'escalade, mais on a trouvé pas mal de trucs. C'est peut-être bon signe. Capacité endurance plus 2. Je le prendrai bien pendant l'escalade. Ça me permettrait d'avoir le bonus. Et capacité endurance plus 3. Ah, l'inhalateur, c'est bien. Endurance plus. Non, je regrette pas d'être descendu. C'est plutôt vers le haut que tu devrais regarder, mon gros. Je sais pas si on peut vraiment grimper par là, en plus. Ah, là, si. Bon, bah allez, hein. Faut savoir y aller. Hop. Et si je dois mourir, eh bien, je mourrai en... Ça veut dire quoi, ça? Tu dois passer où? Je redescends. Excusez-moi, pardon, je voudrais pas gaspiller mon endurance. Descends, tout. Vas-y, remonte. Remonte. Non, fais pas ça. Alors là, je me sens comme un con. Problème de maniabilité. J'aurais jamais dû descendre, probablement. Putain. Voilà, y a pas le choix, hein. Falloir utiliser un objet. Ah, plutôt le truc, ben ouais, ma capacité d'endurance. On la remet presque à fond. J'ai pas compris du tout ce que je devais faire, en fait, ici. On va y aller plus... On peut monter un peu par là, c'est vraiment de l'observation, hein, quitte à redescendre. Faut qu'il arrête de me faire des freestyles comme ça, surtout. Ça pourrait me permettre de me reposer. Il veut pas sauter par là. Ah d'accord, c'est par ici. On redescend. C'était de l'observation. Tu me fais plus ton petit saut. Merci. On va faire cette ascension. Allez. Donc là, on va à gauche. Et ici, tu dois pouvoir grimper là-dessus, si j'ai tout compris. Un saut?
Qu'est-ce que tu branles? Tu sers à rien. Bah il y a juste des chemins pour redescendre. Là. Ouais. C'est un peu con. C'est de l'exploration. Hein. Putain, je regrette d'être descendu quoi. Peut-être qu'au bout d'un moment on va arriver dans une zone où je pourrais remonter. Ouais. Bah c'était un choix de merde que j'ai fait, hein. C'est comme ça qu'on les appelle. Tu peux pas nous faire un saut de l'ange là-bas, non? Oh là là, tu sais rien faire mon gros. Et ben on va continuer à descendre, non tu veux pas. Ici y a pas de moyen de monter. Pas mal de moyens de descendre. En plus c'est fermé ici. Bon bah on descend hein. C'est trop pour se lâcher. N'importe quoi. Ah, y'a le mec qui tousse. Qu'est-ce que tu fous là? Ah bah j'en avais un mais... Tirer sur le cadenas pour déverrouiller la grille. Son asthme va de pire en pire, mais j'en ai plus, je l'ai utilisé. Désolé, moi aussi j'ai eu un problème d'asthme. Au revoir. Tirer sur le cadenas. T'es sérieux? Non, 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 j'ai qu'une balle. Tant pis. Je garde ma balle. Descendre rien. Quand on est ici, on n'a pas le choix. C'est quoi ce plan foireux là? Ah. Je comprends mieux. C'est là où j'ai laissé la fille, pas loin d'ici. On a retrouvé la route. J'ai un piton si je suis dans la merde, mais je préfère utiliser un soda si c'est la même que tout à l'heure. Elle est longue cette ascension. Elle est longue. Elle est pas faite pour me rassurer. Et c'est ici que ça part en cacahuète normalement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, jerrycan, c'est pas pour boire. J'ai de la vie à remonter, mais non, c'est un capacité endurance +++. Faudrait. Là aussi. Probablement celui-là pour commencer. En espérant que ce sera assez. Tout à l'heure, je crois que ça s'est bien passé comme ça. Non. On va faire un peu les bourrins. Là, on utilise le +++. Ce qui, voilà, ça m'a l'air pas dégueu niveau gestion du truc. Si ça l'était, excusez-moi. Voilà, voilà. J'ai réussi à... Bon, on a trouvé le mec malade, mais j'ai cramé son inhalateur. Désolé, je ne savais pas. Donc bon, si on en retrouve un, on essaiera d'y penser. Mais je crois pas qu'on aura besoin de revenir ici. Même si je connais pas le jeu, ça a l'air quand même de nous faire changer pas mal d'environnement. Et puis c'est un sacré objet. Au moins ça m'a évité de crever. Et donc on devait être ici. Excusez-moi pour le dérangement. J'ai trouvé plein d'objets que j'ai utilisé directement. Ça n'a servi à rien. Mais au moins je connais un peu les locaux. Ben je vais vous laisser ici, l'épisode est déjà plus long que prévu, je pense. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi, à bientôt pour la suite. Allez, ciao !